Est-ce que tu connais la théorie de la cognition vestimentaire? En gros, ça décrit les effets que les vêtements ont sur nos processus psychologiques quand on les porte. Je pense qu'on a tous ce vêtement où on se sent fraîche, puissante, invincible. Et je sais que tu sais de quel vêtement je parle là. C'est celui où tu te sens confiance. Ça peut être une couleur qui donne l'impression de te démarquer, ça peut être un style vestimentaire, ça peut être des flots inspirés par tes stars. Quoi qu'il en soit, on a tous notre propre blouse de laboratoire. Moi, par exemple, je sais qu'il y a certains vêtements que j'associe à des traits importants. Après, c'est peut-être parce que j'ai plusieurs personnalités. Mais bref, de tous les outils que tu as pour atteindre tes objectifs, pourquoi la mode n'en fait pas partie? Est-ce que tu as aussi cette vision commune qui dit qu'on devrait être bien habillé uniquement que pour les grandes occasions? Si tu penses comme ça, dis-toi que la vie est une occasion à elle-même et que chaque jour peut être signifiant si tu t'habilles en conséquence. Voilà. Bye!